cas de Kevin Kaseya, est-ce que moi, si naïe, les Sogo, a commetta qui infidélité envers Kevin? Non, bien-aimé. C'est Dieu qui les a exposés. C'est-à-dire tout ce qu'ils font en cachette là. Nzambala qui sibino ombozo kaba témoignage par c'est lui qui répudie sa femme. Donc c'est lui qui divorce de sa femme, c'est lui qui ne veut plus de sa femme. C'est lui qui répudie sa femme sauf pour infidélité et en épouse une autre comme un adultère. Est-ce que fidélité mon côté Oyo, moi c'est Kevin le Sego à commettre envers Kevin Ezate. Il nous donne la permission de divorcer d'une femme s'il y a eu une infidélité. Kevin le Sego azo bambe banzungu, ce n'est pas une infidélité. Oh moi si azo bambe banzungu, ça ce n'est pas une infidélité. Tout bango babi, non esa église et puis esa fondation au langue. Mais il y a moins des sectes, bon, font la misu. Il faut, bah, ils savent non, la modèle pour vous comprendre. Bon, anil bah pasteur, bah ganakatité, bah apôtre, bah zaganakatité, bah prophète, tout bango bah lingarut bah prophète. Attends, mon kete pour bah banga bah prophète bah bimisa mangakam na bango, bah prophète bah ganakatité. Bon, il dit que maman ou langa zaolinga bah prophète, parce que ayebi netina, ayebi kota que na osim bah moto na yewana go travailler bah prophète pour bah dévoiler rapidement. Et puis paraît-il, azana zem. Mais Zemi wanangana olobabo. Maman Olangi, Guy Olangi yoke no lobake. Non, maman Olangi est dans la gloire. Kolobagaso elo kona te Guy. Maman Olangi, Elisabeth Olangi, ta mère, Elisabeth Olangi, azana li felo. Eh, moi na maman, kobuka na te yoka li solo Maman Jisnovitz. Il y a des coachs à l'opposé en tout cas. Il y a des traités de tempo. Il y a des choses qui sont très importantes. Il y a des choses qui sont très importantes. Il y a des choses qui sont très importantes. Il y a des choses qui sont très importantes. Il y a des choses qui sont très importantes. Il y a des choses qui sont très importantes. Il y a des choses qui sont très importantes. Il y a des Maman a gagné. Babi maman Jisnovitz a soigné ni on souhaite aller l'opposer en tout on a bien nous. Yo mutobe tela batampo. Et ça la kesa mette si la kate. Et le nyenzuluka. Et comment le komu batoumé na depo makala. Yaka pote bi dote azaka kamoko. Kocha azaka kamoko. Kozoe eza na mo facile. Azape na Facebook. WhatsApp. Basit ni on sur internet. Ce qui est le nom de la produit na e. Livraison na moza partout dans le monde. Tobeta www. Jisnovitz.com Azoce la paix contributive. Tobenga biso awana plus 44 74 24 025 737. Nabwaneli lisusu plus 44 74 24 025 737. Balapa. Yawe kumama. Kumama na yo 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 yawe. Jésus tout puissant, alléluia. Kumama na yo yawe kumama, alléluia. Kumama na yo yawe kumama. Yawe na ngai yawe kumama. Kolo na ngai yawe kumama. Yesu na ngai yawe kumama. Ozali Nzambe yawe kumama. Ozali Nzambe yawe kumama. Ozali Nzambe yawe kumama. Kumama na yo yawe kumama. Kumama na yo yawe kumama. Kumama na yo yawe kumama Jésus. Kumama na yo yawe Jésus.
Kumama na ya ya we kumama, yes, alléluia. Kumama na yo ya, yes, alléluia. Kumama na yo ya we kumama, Jésus tout puissant. Kumama na yo ya we kumama. 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 Na embeli yo ya we kumama. Jésus na nga ya we kumama. Na kumisi yo ya we kumama. Jésus na nga ya we kumama. Zuwa lokumu ya we kumama. Yeso na nga ya. Jésus tout puissant, alléluia. Kumama na yo ya we kumama. 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 Bien-aimés, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom, shalom. Je suis le prophète Colin Rebro, votre frère dans le Seigneur. Bien-aimés, n'ayez qu'au sa la vidéo Oyo pour notre actualité Zoleka. Na ministère ya combat spirituel ya baolangi to zali interpeller biso nyonso bomoni makambo zo leka vraiment na kozala na okende rapide rapide pona zana ba minute mingi te. Bien aimé oto zo mona ezali nzambe nde a exposé bato na baolangi nzambe a exposé ministère wana me bino bolobaka ministère ya combat spirituel. Il est écrit dans le livre de Luc chapitre 8 verset 17, il n'y a rien de ce qui est caché et qui ne soit pas dévoilé dans la lumière. Voilà pourquoi je vais recommander ce moment entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ et puis on va parler de tout ça selon que le Seigneur va nous conduire. Père, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, je recommande ces moments précieux et glorieux entre tes mains, ô Dieu Tout-Puissant. Remplis-moi de ta présence, Seigneur. Couvre-moi de ta grâce, de ta bonté, de ta miséricorde et de ton amour. Car tu as dit, seule ma grâce te suffit. Merci, Seigneur, parce que je sais que tu commences ces moments avec moi, ô Dieu, et tu vas terminer ces moments avec moi, Seigneur Jésus-Christ, afin que ton nom soit glorifié. Remplis-moi de ton Esprit Saint, Seigneur Jésus-Christ. Que ta puissance dans ta justice, Papa, sort de ma bouche à travers ta parole, ô Dieu, afin que ton peuple soit édifié, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit de Dieu prenne le contrôle maintenant de toutes les choses à travers ces messages et que ton nom, Papa, soit glorifié. Que le nom du Père soit glorifié. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, cher Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Bien-aimé, Nzambe a exposé ministère wana ba olangi. Nzambe a exposé ango. Tomoni, mwana ya mama olangi, Aska olangi, akeya bali un homme marié. Avant d'y naïti, l'élo azotika a été. Nangana sa la vidéo depuis longtemps, mais j'ai pris mon temps. Nalba il faut observer natala ti nene nini. Bako kene na likambo yo. Mais j'ai compris bien aimé. Ezali makambu oyo. Tant on a ebsa kibino na vidéo na sayaki na 2018. Na ebsa kibino que. Basala kaba makambo, oezali na, oezali caché en fait.
makambo oyo mona na tena na miso ya bomutu na mokili mais na molili ba panza ka mabala batu ba panza ka basaka ba dega ya makasi ko boma ba ko panza ba famille ba sala ba makambo ya minene ya mabe ya mabe ya mabe. Et le message que je leur avais apporté, que le Seigneur m'avait donné pour eux, en 2018, le message est là que il fallait bâtir Kababilo Konabong Basalak. Il fallait renoncer à la vision soi-disant, Oyo, Elisabeth Olang, Azaïk Osalela, il y a servitude. Car le seul message unique de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la repentance et le royaume des cieux. Il fallait se connecter à Nzambe à travers sa parole véritable dans la saine doctrine. Message na pesa ebango yangwana. Bien-aimé, binomo bomoni ki basaleli yangote. Bientôt 3 ans yangoyo. Dieu a observé parce que Dieu a donné le message. Maintenant, il fallait qu'il observe. Dieu a observé. Moi aussi en même temps j'observais. Mais lelo oyo Bomoni et Basuki Wapi. Makambo Nyon Sozo Leka, c'est Dieu qui les a exposés. Ça dit tout ce qu'ils font en cachette là. Nzamba la kisibino ombozo kaba témoignage par-ci par-là. Donc na ebi koutep témoignage ni on a rozoa, on a opé ses exemples, on a obandé là. Parce que ba témoignage ezali, ya minene na minene, ya belé, ou ezali ezoti kaba même na ba chair de poule. Donc bozo kango, et pas bande konapso à média, ya basi. O basala ba émission na bozoyo ka ba message nenge so le ka bozoyo ka ba témoignage na bato ba bima kuna bazo témoigner na ba oyo ka bazana kati kuna bazana bango d'accord te bazo témoigner c'est ce qu'on appelle la confusion. Dieu les a confondus, Dieu les a humiliés, Dieu les a revêtus de l'opprobre, Dieu les a revêtus de la confusion. Yango bien-aimé, aujourd'hui, je suis venu encore vers vous pour tout éclairer si j'ai eu à travers la parole. Aska Olangi, Abali Mobali ou Azali Marie. Mais qu'est-ce que la parole nous dit dans les livres de Luc? Non, dans les livres de Matthieu, on va prendre d'abord Matthieu. Dans les livres de Matthieu, chapitre 19, au verset 9. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous dit, notre Seigneur, notre Maître? Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Et celui qui épousera celle qui a été répudiée, commet aussi un adultère. Alors, si on regarde encore beaucoup plus loin, on peut prendre d'autres exemples. Par exemple, ce qui est totalement dans Marc, par exemple, dans Marc, attends, on va voir. Dans Marc 19, Marc chapitre 19, non, Marc chapitre 10, versets 11 et 12. Là, c'est pareil. Le Seigneur nous dit, celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard. Et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. Bien-aimé, chaque cas de divorce, en fait, bah, divorce sera écocanité. Chaque cas de divorce doit être ramené à la lumière de la parole de Dieu pour nous comprendre et l'autre les kiwana pour tirer la conclusion par rapport à ces cas précis, il y a divorce wana. Tozana kaya Aska Olangi. Aska Olangi, abali mobali wazalaki marié. Mais la Bible nous dit ici dans le livre de Matthieu 19:9, c'est lui qui répudie sa femme. Donc, c'est lui qui divorce de sa femme, c'est lui qui ne veut plus de sa femme. C'est lui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et en épouse une autre, commet un adultère. Est-ce que Kevin Kaseya, dans le cas de Kevin Kaseya, est-ce que moi, Sinaï, les Sogo, a commetta qui infidélité envers Kevin?
Non, bien aimé. D'après ba témoignage, Blokonios Boyoki, au bandé qu'on a besoin, y a média, basali Moussala Kitoko, infidélité moko, au lesego, à commettre envers Kevin, exacte. Infidélité mokote, oyo, moi c'est à Kevin, lesego, à commettre envers Kevin, exacte. Donc maintenant, Kevin, parce que Dieu nous donne la permission de divorcer d'une femme. S'il y a eu une infidélité, et l'infidélité, vous savez bien sûr, c'est large. Quand on dit infidélité, il y a l'adultère dedans, mais il y a plein, beaucoup d'autres choses aussi. D'autres, comme un exemple que j'avais donné, quand j'ai passé dans les médias, et pas dans les médias, exemple, un homme marié dans un couple, l'homme, le frère tombe malade. Et il reste hospitalisé pendant 2 ans, admettons. Et pendant ces moments d'hospitalisation, pendant ces moments de malheur, sa femme, en fait, le néglige. Le néglige, à la kaïta qui paraïté. Et 2 ans après, Dieu fait grâce à notre frère. Le frère reprend sa santé et il revient à la maison. Ça, c'est un cas d'infidélité dans le mariage devant Dieu. Et ces frères-là auront raison de divorcer de cette femme devant Dieu. Parce que c'est Dieu qui lui donne, c'est Dieu qui lui donne cette permission. Et ça sera légal. Et un homme comme ça, Dieu dit, a divorcé dans mon bas, au régné, na kawana, comme il y a infidélité, là tu peux divorcer de ta femme. Mais s'il n'y a pas d'infidélité, tu n'as pas les droits. O azaro bamba banzungu ne to soka mikolo Kevin azaro soki le soka azaro bamba banzungu ce n'est pas une infidélité. O moi si azaro bamba banzungu ça ce n'est pas une infidélité. O moi si alamba ga bien te ce n'est pas une infidélité. O non moi si azaro boye azate tu nanda ko azabo ce n'est pas une infidélité. Fallait ba caractère né avant na avant le je sais pas c'est pour ça il y a la fiançaille. Donc bien aimé vite poto to fanda wana mingite na sujet wana. Donc, il n'y a pas eu d'infidélité. Donc, Kevin Akiabali, Aska Olangi, donc, à commettre adultère. Kevin a commettre adultère, na Aska Olangi, bazo sala adultère. Donc, union à Bangwanape, ils ont reconnu te Nzambe. Pourquoi? Parce que Kevin a déjà eu un lien de mariage avec une femme qui s'appelle Lesego. Le loba tumisu ba so banini, oh non, mariage mutu na mutu, ça la mariage non olingi. Non, 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 non. Non. Po ba msuba bien, non, mutu na mutu nenge so olingi, musu so olingi oko sa na yo na mairie, musu so olingi nyo so yaka libala. Non. Il y a même d'autres qui vont alors plus loin encore de dire que non, ba msu pe ba koza na mwete, ba vandi 10 ans, même 10 ans, même ata ba balite sa ka libala parce que dépasse 6 mois le ban. Non, 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 non. Wana na nenga mukili, oui. Mais pas selon Dieu. Selon Dieu, Libala ezali kaka nekolo ba ya coutume, c'est-à-dire les deux familles réunies. C'est ça, c'est ce mariage là que Dieu reconnaît. C'est ce mariage là, il y a pas d'autre mariage que Dieu reconnaît que celui-là. Alors, wana na cadre spirituel. Moi je suis un homme spirituel, je vais pas venir vous parler ici comme un assistant social. Non. Que na yena ba conseil mon quoi social. Non, je parle par rapport aux choses spirituelles. Maintenant, libala oezali ya tobengi banini civil. Civil ça c'est parce que l'État reconnaît tribunaux. C'est-à-dire comme il y a mokili. C'est pour ce monde. Pour le monde, c'est-à-dire l'État faut reconnaître tribunaux. Oui, baby que madame telle, tout ça mais ça revient maintenant, c'est pour le monde. L'État reconnaît tribunaux, baby que moi sinaye na ba papier, tout ça c'est bon. Boyi civil c'est quoi? Mais quand on parle de mariage devant Dieu, le mariage que Dieu reconnaît, c'est le mariage famille, de famille, mariage et à coutume, où il y a les deux familles qui se sont mis d'accord. C'est ce mariage-là que Dieu reconnaît. Parce que le loi sur le dos à la mariage, il y a ninité. Sur le dos à la mariage, par exemple, il y a ninité, coutumité. Au lobby, non, il y a le mariage, comment il s'appelle, mariage civil ou religieux. Mais Dieu n'est pas là-dedans. Dieu ne vous reconnaît pas par rapport à ces mariages-là.
Et spirituellement, tu n'es pas protégé. Admettons que bon, on est bana, bana basé exposé. Alors, bandoki a famille, bah, roulier à bana yo, à l'aise tranquille, parce que tu n'as pas la couverture de Dieu, tu n'as pas la protection de Dieu dans ton mariage. Donc, voilà pourquoi on dit que le mariage c'est une institution divine. Donc, ezé loko moko ou ezé lié esprit. Alors, maintenant, le mariage qui est reconnu encore unième fois, je le répète ici, Nalobi ezali mariage y a coutume où les deux familles se sont mis ensemble. Et c'est ce mariage là que Dieu agrée parce que monde d'esprit ils ont reconnu le liba la on. Ils à la côté esprit côté ensemble parce que Dieu est esprit. Ils à la côté abandoki liba lo bango bazo reconnaître aux familles parce que une fois fait ça dans les règles. Vous avez carrément ce mariage-là, ce couple-là, à la main de Dieu, la protection de Dieu sur eux. Et bananabino, à ce moment-là, ils sont couverts. Et bananabino, à ce moment-là, ils sont aussi sanctifiés. Bon, maintenant, nous avons un aska. Aska, bazo sala, adultère. Nenge bazana kola la kola mukanabango ezali adultère. Mais la Bible nous dit clairement. La Bible nous dit clairement que les adultères n'hériteront pas le royaume des cieux. Donc, il faut comment on a danger à l'ikambouana. Il faut comment on a danger à l'ikambouana. Et ça m'a comme que non, est-ce qu'on a une petite prière, peut-être ça a une prière à 40 jours, mais prière de 40 jours pour faire quoi? Et ça, ma prière à 40 jours, t'es? Il y a 30 jours, t'es? Qu'est-ce que tu veux que... Mais c'est clair. Ça dit que ceux qui sont de Dieu, ils ont le même sentiment que Dieu. Mais les pharisiens, les scribes, tout ça là, mais ils n'ont jamais eu le même sentiment que Dieu. Ça dit que... Parce que les pharisiens, les scribes, tout ça là, ils ont les noms de Jésus-Christ, les noms de Jésus-Christ, que de la bouche, mais pas dans leur cœur. Voilà pourquoi besoin de la Bible au coyo. Et ça, c'est le ministère de la combat spirituel. Aska Olangi, ensuite mon balabatu. Depuis besoin de la commande un mois, Aza Karanae, Akangami Karawana, famille n'a pas encore Akangami Karawana, mais ils ne sont pas des dieux. C'est Eza et Loko Oyo, Nzambe, Alaxi Binongo, Ezali clairement, n'habitez pas tout basakuna Tilelo, Mingi, Obabimi, à travers. Situation mise sur la banque, Dieu leur a ouvert les yeux. Mini babimi, vraiment, je glorifie Dieu pour ça. Mais bah, oh, batika likuna. Mais bon, continuez, kozalana, batu yen, nengwana, nengeni, ni batu, bazo tambola dans le péché. Oh, bon, moni, que péché, ma soumo, bah, on basara, li boso basara, ya boumbama. Mais le lon zamba, bimi, si yango, car an nengo, soumana, bazo résister, on a, nenge, bah, résister, rapé, spirituellement. Tant bah, brisa, kaba, ba famille, batu, tant bah, brisa, kaba, ba foyer, batu, tant bah, brisa, kaba, mariage, c'est comme ça, ils font. Spirituellement, ça, là, on est mon anarati. Bouyoki, maman, ou l'anguana, mais ça, là, ma bé, à tsel, la moukilio. Yoka, ba témoignage. Yoka, ba témoignage, mon langue. Hein? Comme moi, on a retenu, on a ni témoignage, moko, maman, a salaki, a loué, a ki, na mobal, nae. Maman, on a botolé, mobal, a vu, après, si mobal, n'est pas, ya nièce, nae, nièce, ya maman, ou langue, qui s'appelle Émilie, ce qui maman, Émilie. Par exemple, Eze, belé, 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 amabe, moussousou. Témoigner sur toi qui est vraiment maligne dans Zoto, Moutoubakanga, moi, moi, si, à Koufi, à 43 ans, mais aïe, on a depuis, si, bah, j'ai 18 ans, Bokangi, on a botché, on a soit disant, bah, bergerie, nabino, asoukou, rabino, bassani, ti, mis sur, à comment, comme avec le gros bozo, tcharenin, bah, comment ils appellent ça, bozo, tchaba, bah, oui, l'onction, ti, moi, soit, aïe, au Koufa, mis sur, avec le liboumou, bah, et puis, bokata, bah, contact, relation à ma famille, bah, comment à ma famille, la bangote. Mais ça va couper au ticket la bango. Bien aimé, Eza secte. Eza secte. Ministère, oh bango alors ministère, ministère. Ministère, y'a n'en nini. Oui, dans la Bible, le combat spirituel, c'est écrit. On connaît les combats spirituels dans la Bible. Mais ministère à combat spirituel, ça n'existe pas. Le ministère de notre Seigneur Jésus-Christ, il n'y a que 5 ministères. Ministère apostolique, ministère prophétique, ministère pastoral, ministère évangélique, et puis ministère, il y a docteur. Si on a 5 ministères, il y a Nzambe, il y a Pessa.
nakata sacerdoce na ye, sacerdoce royal. Mais le cinq ministères on a pas na nini ezaka na kati ya nini na bango anate. O bango ba benga fondation. Soko tout bango ba bi, non esa église et puis esa fondation au langi. Mais yango na esa secte, bo fungola misu, il faut ba il savina na modèle pour comprendre. Bazo ba nini esa église, esa fondation, c'est dit bozo bango fondation, mais esa secte. Et loka zo zanga ne fallait ba comme clairement que esa secte. Pona nini ba pasteur ba na kati te? Ba apôtre bazaka na kati te, ba prophète kutu bango balinga kutu ba prophète ata mukete po ba banga ba prophète ba bisa makam na bango ba prophète ba na kati te boyi ke mama olanga zaolinga ba prophète te parce que ayebi letina ayebi kota ke na osimba ba moto na yewana ko travail na ba prophète po ba o dévoiler rapidement ba prophète bazaka na kati te bon si ko so bazana bezo ya pasteur talaneti ba reja aska olangi il fallait ba benga pasteur musu libanda aya a bénir soit disa mariage na bango. Vous voyez des cas comme ça, des choses comme ça. Donc, bien aimé, ils ont confusion, confusion, moko ya makasi ya munene. Ils ont confusion, ya makasi ya munene. Qu'est-ce que, aska olangi, et puis paraît-il, azana zemi. Mais zemi, wanangana olobabo, soto tangi, tozui, par exemple, dans le livre, ya. Si on lit dans le livre de. Nazui, exemple, ya Uri, ou azala ki. Soldat ya David. David a bomsaki soldat na ipozo mwasina ya botsaki mwasina ye, mais mwana wana bobinenge sukelaki nzamba bomaki mwana wana. Nzamba bomaki mwana wana. Soki aska ulanga zokansa opo apesa raison pona mwana. Non, mwana wana il n'est même pas bien vu de Dieu, rien. Donc tokotanga rapidement, on peut lire na Samuel. On peut lire dans Samuel 2. On va lire ça rapidement. Attends. Samuel 12, 15. Samuel chapitre 12, à verset 15. L'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David. Il fut dangereusement malade. Si on va plus loin, dans verset 18, le septième jour, l'enfant mourut. Donc vous voyez. Bien aimé, l'issoumounio sera la conséquence. Aska Oulangi, ne crois pas que moi, non, nazana libumunayo, nzambe azomo nazo sepela nango. Non, du tout. L'Éternel frappa l'enfant que la femme du riz avait enfanté à David. Et il fut dangereusement malade. Cet enfant fut dangereusement malade. Et le septième jour, l'enfant mourut. Par exemple, Ezali, Ebélé. Je crois que si on a encore, si on va dans le livre de, attends. Par exemple, on a Ezali. Il y a un autre exemple qui me vient à cœur. Attends, je crois que c'est dans le livre d'Apocalypse. Alors, si on regarde Apocalypse chapitre 2, Apocalypse chapitre 2. Oui, Apocalypse chapitre 2, à partir du verset 21. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît. Elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Toi, Aska Oulangi. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît. Elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je veux la jeter sur un lit. Et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se répandent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et le cœur, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Donc vous voyez, bien aimé.
Nzambe azan nzambe ya justice. Dieu est un Dieu juste. Il n'aime pas l'injustice. Nzambe lingara injustice. Donc aska olangi, tu es obligé de rompre avec ce mariage. Ezam ngamba ba priorité. Si tu avais, si tu étais vraiment une fille de descendance d'Abraham, si tu es une fille de Dieu, si tu étais une fille de Dieu, parce que je sais que tu ne l'es pas, mais si tu étais une fille de Dieu, tu aurais eu le même sentiment que Dieu. Namote mano par le Saint-Esprit, tu allais tout de suite voir que osé yangote a tapé à côté. Ezé lokoya yo moko fait toute humiliation, toute humilité, pardon, oyé au singi pardon, ezé lokoya pardon na bino bosala mikolote, on va en parler, j'arrive. Yomoko se osali osengi pardon na yo et puis okabwana makambwana tout okabwana yango. Et Dieu sait comment il va te conduire après. Mais quand tu restes là, mais lelo osore kutio liwelo bagater, ça dit tu vas atterrir droit en enfer. Parce que osako vivre vie adultère. Ezala yo ezala Kevin wana. Bien-aimé, je ne sais même pas par où commencer, mais ça va passer. Parce que Sokotali, Bato Bakufikune Bele Bele, mais qu'est-ce que vous attendez? Bozo Zelanini, Mobert, Obino Suboyebi, Bozo Robenge Papa Mobert, Boyoki Akufikuna Nengeni, Akufikuna Nengeni, paraît-il, toi qui on a témoignage, oui, paraît-il, tu n'es pas sûr, mais toi qui n'as témoignage, Moutalo bien, parce que c'est la petite soeur de Papa Mobert, Mouta témoignage. Alobi, Guy Olangi, a beta qui, Papa Mobert, ma kofi, na reçoit, na wana kaka, parce que, bazaro, ouais, la menengeni, ni te remémé la makambo, yo, nengeni, depuis maman langa kofi, nengeni, te remémé mao. Papa Mobert, a kouéa, kena roulam kan hôpital, et depuis, il arrêtait pas faire des crises, ti akufa. Il est toujours baboyana sa mabele. Alors mais bino ba obo tika lete ya bino. Tala kwa mutu mobe, lokwa mutu mobe, papa mobe ruana. Ba oba yebie, ba yebie, ba misu ba zoyo kaba o komprente, mais azala, sa di bana ya mama olangi, ya kati. Bana ya mama olangi, ya kati. Melelo papa mobe, akufi lokwa mbua. Akufi lokwa mbua, ni vini koni, malangi ya mama na bango. Na papa na bango, mama ulangi na papa ulangi. Bomona ne basala mariage, ba mariage nene mine ba makelele, metala bato bakufaka. Na tout autour na bango. Loka bambua. Donc ils en parlent même pas. Alors, bino makamba bolo bakyo mama ulangi, gi ulangi yoko no lobake. Non, mama ulangi est dans la gloire. Kolobaka so eloko na te gi ulangi. Ta mère n'est pas dans la gloire. Mama ulangi, Elizabeth ulangi, ta mère Elizabeth Olang, Azana Lifelo. Azana Lifelo. Soba oba kokolobela bino tengana zolobano, Azana Lifelo. Nzambe Azana, sadi bino bokom, même papa Olang, Azana Lifelo. Tala mutu kwa papa Olang. Mwasi ya papa Moberwana, mama quand son papa était mort. Bakangi mwasi wana, bakangi mwasi ya papa Mober, akeno kotala liwa ya papa na ete. C'est lui qui l'a mis au monde, bien aimé. Tala nengeni mutu, omoni via mutu, bozmona ibo me via mutu, bo randa ngolo kwa papier ti, esi bo pasul bo buaki. Via mutu, c'est malheureux. Siko mwoso na tika la tika nengeni. Bande ko mobero bazali banda, pedise no ate mwona, abi, to yebi kutu mwasi na ete, to yebi mepa ilonga bana onate. C'est quoi, moi, j'imagine combien elle le meurtrit dans son cœur, une femme comme ça. Mon papa n'a eu papa n'était pas pexé, papa au langue, il a pexé, il a bêta, mais ça non! A quel moment papa n'a été. Mais papa au langue, a ça, puis le binôme, batana, bozo, bakosa dans la gloire. Non, bien aimé. Il faut te balikam n'engezali. Bazana li felo. Mama olangi, papa olangi, bazana li felo. Bino bato bo adora kaba photo na bongo bozo ti photo. Olale lozo sambela. Ça c'est de l'idolâtrie. Dieu n'aime pas ça. Et tant bozo adore ba photo ana. Na kate ba photo na ba démon bazali. Ça dit que vous adorez les démons.
Boko na teko sobo so sala koyeme la photo ya maman Olangi ndeza maman Olangi asa nani asa na eloko te asa ka mutu mwasi moko bwa bimaki besprit bele bele amsali mouvement na yowana ya ko sadi ke maman Olangi en fait asa ki vrai envoyé ya Satan na Congo pour ne pas dire même en Afrique pour nous détruire. Bonjour ba photo ko tie partout na kata ministère wana mais ba photo bino bo tonsa tonsa na eza ba demande ce ko ba sur place. Parce que la parole de Dieu dit que nous adorons Dieu est esprit. Quand nous adorons Dieu, nous l'adorons en esprit. Et loko moko yo ko soit le binombre papa nga tikelenge loko yo loko papa nga kufa na loko so na zo mona na zo kata papa nga ozo sambela ozo toujours loko na kanyo loko sentiment mais loko na comme le diable sait que tu utilises ça il fait quoi en quoi ça va démon na kati. Pendant que toi tu es attaché à cette chose-là, eh ben comment adorer ma démon? C'est ce qui se passe. Voilà pourquoi Dieu dit que ezan le loko musu okwa adorer nzambete si seulement que au côté esprit et puis tu pousses ton esprit à Dieu. Tu te connectes à Dieu. Tu te connectes au Saint-Esprit, c'est tout. Ezan le loko musu te à part yango. Et tout ça dans la sanctification. C'est tout. Lelo sikoyo moi si andengwa na ya mobere. Elle est meurtrie cette femme. Nana ko linga basona vraiment ba ke no ko aider place azaba bimisaye to yo kana basona ba témoigner boyo ka makambo o ezali a somba ko bimisela bino. C'est dit moi ça ndengo ne za lokola même soka ina mukilibo awoye ba ko vivre sous normalement te. Awozala perdu complètement. Papa Kabeya ba o boza kuna na ya bato ministère boye biye. Papa Kabeya saki mwana mama Olangi ya kati lokwa ba mobere ye kutwa za ko lekisa ka ba ba maman Olangi na papa Olangi ba délivrance na ba chambre na bango sa ko tati na chambre na bango mais papa Kabe ya awa il y a de cela beaucoup des années passées voyage moi ya kima azonga soute atikala lelo to ba bozaka na Canada ayebi makambo ya monakuna ayebi makambo ya monako ya kimelaki ba Micheline Chabani n'en parlons pas ba bima ba yebi makambo ngo ba mona mais nous en parlons. Il y a 3 ans quand j'avais fait cette vidéo, je n'étais pas soutenu. C'est-à-dire que je me suis senti seul. Mais lelo oyo, Dieu merci parce que j'ai compris. J'avais allumé un feu à la brèche et lelo moto wana tout ce monde lelo nenge peni. Lelo tala nenge nzambe exposé bango. Ils ne sont pas de Dieu, c'est un peuple rebelle. Vous êtes un peuple rebelle. Vous êtes des scribes, des pharisiens. Voilà pourquoi notre Seigneur a eu raison de vous maudire. Notre Seigneur Jésus-Christ a eu raison de vous maudire. Malheur aux scribes, le Seigneur avait dit. Malheur aux pharisiens, malheur aux scribes. Malheur à vous. Malheur à vous. Notre Seigneur vous a maudit, il a eu raison de vous maudire. Le lotel a malédiction à maman ou langue de papa et quitter papa nanaye. Ndeboso mona makamboyo. Le Seigneur Jésus-Christ a eu raison de vous maudire. Les scribes, les pharisiens, vous citez le nom de Dieu de bouche, mais pas dans le cœur. Un peuple rebelle. Un peuple incrédule. Bien aimé, ça passe. Et ça passe. Bamisu bazotuna. Oui, bazotuna bandongo na biso na ya basi basanga bazosala nani comment elle s'appelle Marie-Laure Mouakana Omsous la danoise na comment elle s'appelle l'autre qui est en Afrique du Sud Mamoumoukuna. Franchement, nzamba zala na bino. Bazotuna ka bango, mais jusqu'à quand? Mais jusqu'à quand? Moi je vais vous répondre. Jusqu'à ce que ministère amino eko panzana. Eko panzana. Pobo monanga ndenga na ya olelo. Je pris le temps d'observer. Batumso bakantsa ke wa bunga, non, ko bunga te. Moi je suis un prophète, un vrai prophète authentique de Dieu. Ne viens pas comme ça dans les réseaux sociaux, ba vidéo de gauche à droite. Non. Moi je fonctionne avec l'esprit de Dieu. Le Seigneur me mettait à l'écart, me tenait à l'écart, je suis resté, j'ai obéi tout simplement. Je suis un soldat de Dieu. Un soldat de notre Seigneur Jésus-Christ. Nzamba yebaki.
Il a pris le temps de vous observer. Vous n'avez pas voulu écouter le message qu'il vous a envoyé. Mais le Dieu vous a exposé. Soit ça m'a exposé, mais ce n'est pas pour vous caresser. Et vous croyez que moi, je viens là pour vous caresser? Non. Eko Panzana, ministère, ti Eko Panzana. Ba travers, ba salara na bino kuna. Ba zo leka, ba zo loba. Bo futa ka bangote. Donc, bo zama ka mabe na mabe na mabe. Kindumba ka bino. Ketcha Olangi, une vraie sirène, une grosse sirène comme ça. Ketcha Olangi, une grosse sirène, un gros serpent comme ça, Ketcha Olangi, un gros serpent, une grosse sirène. Aska Olangi, une grosse sirène. David Olangi. Yor le banabiso, non, année 2020, yo bomona, ba miracle, yobando salama. Quel miracle? Miracle yo sanini. Yo mo osana yo kanzambete, David Olangi. Tu n'es pas un serviteur de Dieu authentique, rien. Et ça va bloquer pour forcer pour une entreprise nabino le roi maman nabino papara ba koufi pour battre l'entreprise. Liboso bazoko sala bazoko kipe bosaji bana nzambe. So boya ki nzambe solo. Vous devrez l'être de vos événement. Le maestro de la musique africaine Fabregas, le métis noir. Bonsoir la France. Start la danse du moment. Après avoir conquis le continent africain, il s'attaque à la salle prestigieuse de double mixte à Lyon. Le 13 mars 2021 à 19h, billetterie au point de vente habituel.